Et oui, bonjour à tous, c'est Fredo Domino et on se retrouve pour une nouvelle session de Machine à Sous. Après vous avoir présenté donc le bilan de ce mois de juillet qui a été correct dans son ensemble, on a alterné le bon et le moins bon, mais voilà, dans l'ensemble, on s'en est plutôt bien sorti. Donc là, on va rattaquer les machines à sous comme il se doit pour démarrer ce mois. Une machine à sous qui m'a été demandée par une fidèle abonnée, Maminoura, si je ne me trompe pas, à savoir Temple of Pau, une machine à sous qui est sortie tout récemment, joliment représentée. Donc Temple of Pau, une machine à sous qui contient des jokers, bien sûr, et qui propose également un fameux bonus free spin, représenté ici, sous la forme d'un chat, porteur de chance, je l'espère. Si on en découvre 3 ou plus, on remporte des parties gratuites, avec la possibilité de booster le nombre de parties gratuites, voilà, comme le principe de Raptor Double Max. Entre autres, il y a d'autres machines qui proposent cette fonction. Et je vais miser 40 centimes. Donc là, je suis parti d'une balance de 50,04 €. C'est la balance restante de la précédente partie de ce casino qui était Lion James Holden Win, une machine à sous très sympa. Vous avez été nombreux d'ailleurs à aimer cette machine, donc pourquoi pas la représenter. Il y a également l'option d'achat de bonus sur cette machine, mais il va falloir patienter un petit peu. Mais je représenterai, voilà, comme je vous l'avais promis, quelques vidéos d'achat de bonus sur les machines. Et donc, mise de 40 centimes, objectif, espérer commencer ce mois par un bénéfice, bien sûr, et espérer avoir le fameux bonus. Allez, c'est parti, let's go, pour cette première tentative sur cette machine, et première apparition de ce symbole bonus. Donc, pour chacun remporté, en voici un, justement, on passe directement au multiplicateur suivant, donc, ça ressemble un peu à Raptor Double Max, le principe de jeu. Je prends compte également, pardon, de vos demandes concernant certaines machines sur le thème des vacances. Effectivement, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Avec un thème, on va dire, un peu plus côté mer ou côté montagne pour changer. Donc ça peut être sympa. Et également une demande d'abonnés concernant un éventuel live sur des jeux de casino. Donc je prends note évidemment de tous vos commentaires et... J'en représenterai bientôt, ça c'est sûr. Alors pour l'instant ça commence doucement, mais on en a l'habitude. C'est pas trop grave pour le moment. Un gain de 8 centimes, donc là on passe au par 2. Alors un autre gain, non, dommage, il y avait un wild. Donc en cas de bonus de remporter, on va pas tenter le boost, on va voir ce que va donner ce bonus si on était amené à l'avoir, bien sûr. En général, on n'est pas déçu. Ok, donc là, on passe au par 3. C'est intéressant. Oui, ça connecte avec les pics. Ok. Alors x4, de mieux en mieux peut-être. Ah dommage. Ok, 52 centimes, mon plus gros gain pour l'instant. Très jolie machine dans tous les cas. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, comme d'habitude, dans les commentaires. J'ai d'ailleurs failli me tromper de machine, puisque j'ai failli présenter la machine à sous Polar Pose, que j'avais déjà joué. Et d'ailleurs, c'était le même provider, Quickspin. Effectivement, c'était bien Temple of Pau, ce qui est très bien, puisque j'avais déjà testé... Polar Pau et malheureusement sans succès. Donc peut-être que cette machine va me réussir. On va le voir. Pour l'instant, rien de glorieux. Voilà, un petit ralentissement dans le jeu, c'est pas trop grave. Succession de spin perdant, comme souvent en début de partie. Alors un symbole bonus, dommage, il n'y a pas de gain, parce qu'en cas de gain de remporter, donc les symboles gagnants disparaissent et on peut espérer voir apparaître les symboles bonus manquants. Donc là il y a pas mal de dead spin actuellement, malheureusement, mais tout est encore possible. Alors un ralentissement dans le jeu,
J'espère que ce sera pas trop dérangeant pour la suite. Pour l'instant, ça peut aller. Connexion un petit peu lente. Ah, première tentative d'avoir un bonus. Est-ce que c'est un leurre? On a encore une chance, effectivement. Allez, s'il te plaît. Ah, dommage, c'était un leurre. Le premier de la partie. Ok. Un gain qui est parti. Ouais, pour l'instant, la machine ne distribue pas beaucoup. Pas mal de petits gains pour l'instant. 50 centimes au mieux, il me semble. Pas fameux. C'est pas plus mal d'avoir misé que 40 centimes pour le moment. Voilà, le temps de me familiariser avec la machine. Pour l'instant, on va rester sur ces mises-là. Étant donné le haut potentiel du bonus. Alors évidemment, plus on a de free spin, plus les chances de gain sont élevées. Mais on va plutôt assurer. Ça ne veut rien dire. C'est pas le nombre de spins qui fait le gain. Je vous le rappelle. Alors, x3. Ok, ça ne continue pas. Petit gain encore une fois. Ok, un gain ici. Ah, dommage, c'est pas le symbole du pic, mais c'est gagné quand même, justement. D'accord. Alors on a un symbole bonus, il en manque deux quand même. Ouais, c'était pas évident. Un gain ici. Ok. Ah ouais, il n'aimait pas de gain, dommage. Alors ici on a peut-être une chance s'il y a un wild, bah voilà, très bien. Un wild en x2. Ok. Enfin, un gain correct. Alors, x3 maintenant. Ah, dommage, ça ne continue pas. Allez, 1,72, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Oui, là, il y a plusieurs gains avec les wilds. C'est dommage qu'ils disparaissent, parce que ça pourrait être intéressant de niveau succession de gains. Voilà, ce symbole bonus, mais pour l'instant, une tentative seulement sur l'ensemble de la partie. Alors ici, ça va être compliqué d'avoir un gain, à moins qu'on ait un bonus. Non, là, ça aurait été beau quand même, à une seule case près. Ah, bah, il arrive juste après. Oui, ah, on a une ligne de pique, j'avais pas vu, une ligne de cœur même, une ligne de cœur, donc ça aurait été un high symbol, ça aurait été pas mal. Là, c'est gagné avec les trèfles, c'est pas trop mal en x3. Ok, alors x4, là ça devient intéressant. Ah, dommage, il y a deux symboles bonus, mais 3,48, d'accord, c'est mieux déjà. Allez, on compte sur le bonus, bien sûr. Oui, un gain de trèfle ici, pas énorme. Allez, on peut revenir. En tous les cas, j'y crois, évidemment. Tout est possible jusqu'au dernier spin. Un petit gain de trèfle ici. Alors, est-ce qu'il va y avoir un wild? Non. Quand même eu pas mal de spins perdants aussi. Et dommage, il y avait deux wilds ici, mais pas de gain. Pas toujours bien placé. Ralentissement encore une fois, rien de bien méchant. Ok, dommage que ce soit en x1. Oui, un gain de carreau, dommage en x1, encore une fois. Alors on a un symbole bonus ici. Ah, là on a un petit peu plus de chance. Alors l'heure ou pas? Aïe aïe aïe, encore une fois, l'heure, le deuxième. Il y avait de la place. Attends. Symbole bonus, mais pas de gain. Allez, tout est encore possible. On est quand même, malgré tout,
rendu quasiment à la moitié du solde. Bon là ça va être compliqué. Ah là on a une petite chance d'avoir un bonus. Troisième fois, troisième leurre. Ah bah là on a un bonus. Cool, magnifique. On a remporté donc 7 free spins et on va les garder parce qu'on peut tout perdre effectivement. Et d'autant plus que la balance a bien dégringolé. Donc on va prier que ce bonus nous permette déjà de revenir. Allez c'est parti, let's go. Multiplicateur croissant bien sûr. Ah oui, ça augmente de 3 directement. Ça c'est intéressant. Dommage, il y avait un wild ici. Ok. Un potentiel intéressant. Ah, x10. Donc là c'est gagné avec les trèfles. Pas mal. Ah, on peut avoir d'autres free spins également. Bah je prends bien sûr. Oui. Wild. Ah bah x15. Intéressant. Il reste 4 spins. Là on passe en x21. Oula, si on avait un autre bonus. Non, ça aurait été beau. Allez, il faut continuer. Passe au x25, c'est énorme quand même. Oui, joli. 5 euros de plus. Oh, le troisième. Le troisième symbole bonus, ce serait énorme. Ah, dommage. Et puis, il y avait un wide. Ok. Alors, dernier spin, il me semble. Ah, bah, un autre bonus, peut-être. Moi, j'y crois pas, honnêtement. Si, on a un autre bonus. Ah oui, mais par contre, c'est 3 trous gratuits en plus. Voilà. Mais c'est toujours très bien à prendre parce que ça peut tout changer. Ah ça c'est free spin supplémentaire, un bonus correct, ah dommage. Dernier spin, ouais, ça connecte limite, mais ça connecte quand même. Allez, un petit gain sympa pour ce dernier spin, ouais, petite connexion. Et là ça va être compliqué, à moins d'un miracle. Ouais, dommage, mais 17,50, c'est pas trop mal. Ok. Bon, heureusement qu'on a eu ces free spins en plus. On n'a pas réussi à... Voilà, avoir des full life par exemple, là ça aurait été un big win. C'était souvent des combinaisons de 3 symboles consécutifs. Mais voilà, on remonte quasiment à notre solde, c'est déjà pas mal. On va continuer un petit peu. On s'en sort bien quand même. Alors un deuxième bonus, évidemment je prends. On va rester prudent, ok, il y avait une connexion ici de high symbol d'ailleurs. Ok, bah on revient quasiment à notre solde, c'est pas mal. Allez, jouer jusqu'à 30 ou 40 euros, je vais bien voir. Je serais bien tenté de continuer encore un petit peu, histoire de voir. Mais voilà, on limite les pertes. On est quand même bien revenu, mais c'était pas gagné d'avance. Oula ! Alors là, pas mal de gains. Ça en fois 1, imaginez en fois 30 comme on a eu pendant le bonus. Ça aurait été énorme. Allez, ça continue de connecter peut-être en x3. Ouais, ok, je prends. x3. On peut avoir des big wins, évidemment, hors bonus. 3,32, ok, très correct. On n'est pas très loin de revenir, d'ailleurs, à notre solde. Ah, bah oui, bien sûr. Un deuxième bonus. En tout cas, merci pour cette découverte. Merci à cet abonné. M'avoir fait découvrir donc cette machine que je trouve très sympa, effectivement. Oui, un gain de carreau. Et est-ce que ça continue? Oui, bah là on a des wilds, donc c'est forcément gagné. Ok, un 28 supplémentaire. Ah oui, imaginez que les wilds restent, ce serait énorme. Allez, x4, on prend. Non, ça s'arrête là. Ok, 64. Bon, je pense qu'on va s'arrêter à 40 euros sans être trop gourmand. Toute petite perte pour commencer, rien de bien méchant. Oh, ah bah alors là, un bonus ce serait une aubaine. Eh ouais, dommage, il n'y a pas de gain. J'étais plutôt focalisé sur le wild, mais j'ai pas vu de gain, dommage. Bon, il n'est pas venu ensuite, pas de regret. Donc probablement le dernier spin. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut miser 50 centimes? Non, bon on va miser... Allez, on va faire 2 mises à 20 centimes. Sait-on jamais. Un bonus pour 20 centimes, je ne refuse pas. Et donc dernier spin. Et on va s'arrêter sur ce solde de 40 euros. Je pense que c'est plus sage. On a perdu même pas 10 euros finalement, puisqu'on est parti de 50 euros et 4 centimes. Donc on s'en est plutôt bien sorti dans l'ensemble. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas donc à commenter cette vidéo, dire si cette machine vous a plu bien sûr. Et on se retrouve très vite avec un réinvestissement de cette balance sur une autre machine. Bonne journée à tous, bye.